Comme on dit souvent dans la vie, le bonheur est à votre portée. Chacun peut s'en prendre une partie. Chacun pourrait en profiter. S'agit tout simplement de comprendre que les plus belles choses ne coûtent rien. Le bonheur peut venir vous surprendre n'importe où. Si vous voulez bien. C'est vrai, ça? C'est vrai, mais seulement pour que ça arrive. Il faudrait que les gens arrêtent de chialer. Ça chiale trop. Ça chiale tout le temps. Ça chiale pour ci, ça chiale pour ça. Ça chiale parce qu'ils ont pas de ci, ça chiale parce qu'ils ont pas de ça. Ça chiale tellement pour tout ce qu'ils ont pas que les gens n'ont même pas le temps de s'apercevoir de tout ce qu'ils ont. Mais si les gens n'arrêtent pas de chialer, hein, ça va être grave. Parce que je vais vous dire quelque chose, que si tout le monde s'arrêtait de chialer une minute, et si tout le monde prenait le temps de regarder autour, je vous garantis que ça chialerait bien vite. Non, ça chialerait pas. Parce que si le monde arrêtait de chialer, le monde regarderait le monde et le monde voirait le monde. Le monde voirait toutes les belles choses qu'il y a dans le monde. Des belles choses qui coûtent rien. Comme on dit chez nous, des belles affaires gratis, il y en a partout. Il y en a plein. Je pourrais vous en nommer, tiens. Mais j'ai envie de vous les laisser trouver par vous-même. Non, je ne vous ferai pas ça, vous n'y arriverez jamais. Mais vous en nommer quelques-unes, parce que je sais qu'à la télévision, ils étaient croisés, ils ne vont faire rien. Bon. Je vais faire travailler vos méninges. Premièrement, une belle chose gratis, c'est-à-dire qui ne coûte rien, le soleil. Ça ne coûte rien, le soleil, lui, pour tout le monde. Le soleil, il se dit pas, oh non, lui, il a les cheveux longs, et puis lui, oh, oh. Non. Le soleil, il est comme la police. Il frappe sans regarder. Et la preuve. Et la preuve, mesdames et messieurs, que le soleil, c'est gratis, ça coûte rien, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens pauvres qui vivent dans des endroits où il fait toujours soleil qu'il y a de gens riches qui habitent ici. Une deuxième chose gratis, la campagne. Entre nous, mesdames et messieurs. Il y a-t-il quelque chose de plus beau que la campagne? Oui. La ville. Mais la campagne, c'est beau. Mais personne ne profite de la campagne. Pourquoi? Parce que tout le monde s'imagine que la campagne, ça coûte cher. Allez voir les gens qui habitent la campagne. Vous allez vous apercevoir que ça ne peut pas coûter cher parce que les gens qui habitent la campagne sont cassés, comme on dit chez nous. Ça veut dire ils sont fauchés, comme vous dites chez vous. Même dans les villes, c'est incroyable. Même dans les villes, vous allez trouver des belles affaires gratis. Regardez, je suis à Paris, moi, depuis déjà 6 jours. Je suis allé partout et des belles affaires gratis qui coûtent rien, j'en ai pas trouvé. Mais, non, mais si je restais une dizaine d'années, je suis certain que j'en trouverais. Il y en a certains. Mais là, même si j'en trouvais, je ne pourrais pas vous les nommer parce qu'on n'a pas le temps. L'émission dure seulement 1 heure. Non, mais c'est vrai. Mais par contre, je peux vous dire que je prendrai le temps de regarder parce que moi, je ne suis pas de ceux qui chialent. Je suis de ceux qui regardent. Parce que je sais l'importance des choses. Parce que je sais que ceux qui ne s'arrêtent pas de chialer, ça va être très grave pour eux parce que ces gens-là ne connaîtront jamais le bonheur. Parce qu'il y a un vieux dicton qui l'a dit. Je ne me rappelle plus à qui il l'a dit. Mais le vieux dicton a dit, sans le bonheur, t'es pas heureux. Non, je le sais que ça a l'air simplet, mais c'est très profond. Sans le bonheur, t'es pas heureux, ça veut dire qu'il faut connaître le bonheur. Et ceux qui se permettent de rire, je pourrais peut-être vous demander si vous connaissez bien le bonheur. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que fait le bonheur dans la vie? Non! Eh bien, moi, je vais vous le dire, avec mon air simple. Le bonheur dans la vie, il passe. Si t'es pas prêt quand il passe, tant pis pour toi. Si on veut le bonheur, il faut le mériter. Il faut se préparer en conséquence. Je pense qu'elle, elle l'a eu, le bonheur, parce que je te dis que... Vous l'avez eu, vous, le bonheur, hein? On va savoir où et quand. Le bonheur ne va pas n'importe où.
Le bonheur n'aime pas n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. Le bonheur va dans les maisons où la maison est propre. Il faut que le garde-manger soit bien garni, de préférence sans enfants. Et s'il y a des enfants, faut pas que les enfants soient bruyants, parce que le bonheur déteste le bruit. Je le sais, parce que le bonheur a failli aller chez un de mes beaux-frères. C'est ma nièce qui l'avait fait demander. Mais il est tourné à la porte, parce que quand il est arrivé là, mon beau-frère se lançait la vaisselle, les verres, la coutellerie avec sa femme. C'est une scène de ménage qu'il appelle ça. Alors ça faisait trop de bruit, le bonheur est parti. Vous êtes chanceux de m'avoir ici. Parce que le bonheur, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais les producteurs de l'émission m'ont dit 5 minutes, ça suffit. Bon. Mais quand même, je pourrais vous en parler des heures, parce que moi, le bonheur, j'en ai entendu parler des heures et des heures. Parce que ma femme, ma propre femme, ben, t'as pas toujours propre, mais ma femme. Ma femme a connu le bonheur avant qu'on se marie. Le bonheur habitait tout près de chez elle. Non, moi-même, moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mais je l'ai vu encore dernièrement. J'ai vu le bonheur, je marchais sur la rue avec mon petit garçon, j'ai un petit garçon, 4 ans, haut comme ça. Comme ça. On marchait tous les deux. Et tout à coup, j'ai vu le bonheur. Il était avec un jeune couple. En fait, c'était un garçon et une fille. C'est un jeune couple à l'ancienne mode, disons. Parce qu'aujourd'hui, un jeune couple, c'est pas toujours un jeune garçon et une jeune fille. Ça peut être deux jeunes garçons, deux jeunes filles, une jeune dame avec un jeune chien. Bon. Disons que c'était un jeune couple comme dans le temps, tu sais. Et puis moi, quand je les ai vus, j'ai dit au petit, viens, on va aller voir ce qui se passe là, parce que je voyais le bonheur rôder autour du couple, tu sais. Puis tout à coup, le garçon a pris la fille, il l'a plaqué sur un mur de briques. Moi, j'ai dit à mon petit, retiens-moi. Il va la battre, là, lui, hein. Mais non, le gars accroche la fille, il se met à l'embrasser à pleine bouche et en pleine rue. À flèche, à flash, ça revolait partout, comme on dit chez nous. Ben moi, j'ai parti à rire, j'ai dit à mon petit, regarde, regarde le bonheur. Mais le petit, il est trop petit, il l'a pas vu. Mais moi, je riais, mais le jeune couple pouvait pas me voir, parce qu'ils étaient le long du mur, comme ça. Le bonheur était en travers de la rue, alors il me voyait pas. Mais j'ai ri tellement fort que le bonheur m'a remarqué. Mais il m'a regardé d'un air méchant. Un gros bonheur noir. Une grosse boule noire de bonheur. Non, puis sur le coup, j'étais pas sûr si c'était lui, tu sais, parce que je sais pas où il avait passé, mais il est accroché un peu. Le bonheur noir, c'est rare, tu vois ça. Mais ça m'a impressionné. Alors j'ai dit à mon petit, j'ai dit, viens, on lui parlera pas rien, on va rentrer à la maison, tu sais. Mais rendu chez nous, je l'ai regretté de pas avoir parlé au bonheur, parce que j'aurais dû l'inviter tout de suite à venir avec nous autres, tu sais. Parce que le bonheur, il est jamais venu chez nous. Quand je me suis marié avec ma femme, tu sais, on s'est mariés tous les deux, d'ailleurs le même jour, je pensais que le bonheur viendrait, tu sais, j'ai dit au moins il va venir à la réception, quelque chose, tu sais, mais je sais pas si c'est à cause de mon beau-frère qui connaissait déjà puis qui savait qu'il était bien bagarreur puis tout ça, en tout cas, il a décidé de pas venir. Pis après que j'ai été marié, toujours avec ma femme, on est restés mariés ensemble. On l'a attendu des semaines, des mois même. Attends, 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 attends. C'est le petit qui est arrivé. Fait que là, ma femme avec le petit, ça lui faisait beaucoup de travail. Tu sais, les courses, le petit, faire le ménage. Et puis, elle filait pas, comme on dit chez nous. T'sais. Elle filait, mais elle filait un mauvais coton. Ben, ça veut dire qu'elle était malade. Bon. Fait que moi, quand j'ai vu qu'elle était malade, j'ai dit, ressaisis-toi. J'ai pas dit ça de même, tu sais, je parle pas comme ça chez nous, mais quand même. J'ai dit, fais quelque chose. Le bonheur viendra jamais dans une maison où il y a une malade. Le bonheur déteste la maladie. Mais comme elle comprend toujours de travers, au lieu de prendre du mieux, elle est morte. Bon. Ta femme meurt. Ça dérange toujours un peu. Pas longtemps, mais pour quelques jours, tu sais. Trouver une gardienne. Ensuite de ça, ben l'hôpital, ça avait coûté très cher. Alors, j'ai été obligé de me prendre un petit job le soir, tu sais.
un travail supplémentaire. Les fins de semaine, en français les week-ends, tout ça. Fait que ça a été pas mal rough, tu sais, entre vous et moi. Rough, ça veut dire tough. Comprenez mieux, ça va. Non, mais ça a été assez dur, et puis... remarquez que là, maintenant, par exemple, je suis prêt pour le bonheur. Là, il peut venir n'importe quand. Là, maintenant, tout est replacé, puis... de toute façon, j'aimerais ça que le bonheur vienne le plus tôt possible. Parce que mon petit garçon, à 4 ans, je trouve que c'est l'âge parfait pour connaître le bonheur. Parce que je me dis, plus vieux, j'ai peur qu'il y ait un peu de difficulté à s'habituer, tu sais. Puis moi-même, j'aimerais beaucoup que le bonheur vienne bientôt parce que je commence à avoir des douleurs dans les reins, des choses comme ça. Ah ben, je me plains pas. Je suis pas fou, je le sais bien qu'il faut pas se plaindre parce que le bonheur déteste les gens qui se plaignent. Mais qu'est-ce que vous voulez? Des fois, ça fait trop mal, puis ça paraît. Dans ce temps-là, je bougonne, je suis de mauvaise humeur. Bonheur, c'est-tu toi que je vois, là? Hey, bonheur, je vais m'en aller à la maison, puis je vais préparer un petit quelque chose à manger, puis je vais coucher le petit, puis je vais t'attendre, OK? Bonheur, es-tu là? Bonheur, m'entends-tu? Je vais t'attendre, hein? Faut que tu viennes. Faut que tu viennes parce que je pourrais plus attendre longtemps. Bonheur, j'en peux plus, là. Bonheur, viens-t'en. Viens-t'en parce que moi, je m'en vais!